Je me présente, je m'appelle Amadou Touré, chercheur associé et gestionnaire intérimaire de la FEMDMB. Je suis impliqué dans le projet PRONSA au niveau de la diversification des cultures en zone pluviale. Et cette diversification des cultures en zone pluviale est basée sur l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation repose sur trois principes. D'abord, le travail du sol minimum, ensuite le couvert végétal permanent du sol avec des plantes de couverture ou des plantes légumineuses aussi à grains, et ensuite il y a la rotation et l'association des cultures. Donc c'est ces trois principes qui guident l'agriculture de conservation et qui permet aussi de faire la diversification des cultures au niveau pluvial. Et cette agriculture de conservation va nous permettre de lutter contre les effets de la sécheresse qui sont induits par le changement climatique, par d'autres phénomènes comme le réchauffement global. Et en plus, cette agriculture de conservation va permettre d'améliorer les revenus des paysans et aussi pour diversifier leur nutrition. Parce que là, la rotation du riz, qui est une céréale, avec une culture légumineuse comme le haricot ou bien le soja vert, qui contient beaucoup de protéines, va contribuer à une bonne alimentation et à une bonne santé des populations, en plus de leur faire gagner des revenus supplémentaires. Et certaines de ces cultures aussi de rotation, comme le Stylosanthes guyanensis, peut être utilisé aussi pour l'élevage, pour la nourriture, le forage, pour le bétail. Donc tous ces faits combinés font que l'agriculture de conservation en zone pluviale avec le changement climatique est un passage qui permettra d'atteindre la durabilité de ces systèmes de culture en zone pluviale qui sont vraiment soumis aux aléas climatiques avec les sécheresses, qui fait que ces écologies ont un rendement faible et ne peuvent pas du tout être durables. Mais l'agriculture de conservation va nous permettre de la durabilité de ces systèmes en investissant un peu plus d'efforts avec l'encadrement, avec les structures de recherche et de développement, on peut atteindre cet objectif.